Ailleurs. J'aime écrire simplement des choses simples. Je suis né le 14 août 1963 dans le 8e arrondissement de Lyon, à quelques mètres seulement de celle qui allait devenir ma ville, Vénissieux, où je fus même, contre mon gré, baptisé à l'église des Sauterelles dans le quartier du Moulin à Vent. Rimbaud lui-même a fait mon lit, mon nid. Né d'un père lyonnais et d'une mère piémontaise, ouvrier et fils d'ouvrier, c'est avec ma voix que j'écris, que je parle aussi, que je profère. Rompre le silence, reprendre langue, reprendre corps, jamais aucune saison d'être. Heureusement que la mort existe. À table ! À table ! Je m'y connais question cuisine, car j'aime bien ça manger. J'ai un ami, Gérard Fabre, qui parle la même langue que moi. Nous discutons de pâtes le plus souvent. Pasta verde, pasta l'uovo, tagliolini con tonno, spaghetti alla carbonara, fettuccine al gorgonzola, lasagne al forno, tagliatelle alla bolognese, cannelloni, ravioli, gnocchi di patate, maccheroni con pomodori, risotto con ragù, crespere ripiene, pizza alla casalinga. Manger, j'adore ça. Je mange mon enfance restée derrière moi. Jusqu'à 6 ans, je fus élevé par ma grand-mère maternelle. Mon premier poème, je l'ai écrit très vite, très tôt. C'était encore la nuit. La première dent que j'ai perdue dans un combat des moins risqués. Le premier œil que j'ai ouvert, le gauche, le plus clairvoyant. Le premier sourire, dès les premiers beaux jours. La grande cuisine, c'est suivant l'air que je fredonne, le vin de table, le vent d'automne. La grande cuisine, c'est mon sang qui coule à flot à la table des convives. Écrire, au fond, c'est mon métier, c'est toute la vie. Et quels sont les livres qui, ces jours-ci, m'accompagnent? Ils sont au petit nombre de 4. L'arbre sol, d'André Velter, Point du jour, d'André Breton, Le sentiment de la langue, de Richard Millet, et, pour la première fois, Vénus érotica, d'Anaïs Nin. Et quels sont ces lieux que je traverse en rêve? Anduze, Sauve, Quissac, Carconne, le mât Soubéran et le musée du désert, la bambouseraie de Générargue. Écrire au fond, c'est mon métier, c'est toute la vie, c'est mon virus, je suis dedans. J'écris toujours et tout court j'écris. J'ai trouvé l'écriture comme abri, comme bunker, comme casemate. J'écris pour le plus grand nombre, même si presque personne ne me lit. J'écris pour naître, pour grandir, pour tenir debout. C'est dans l'adversité que l'on se révèle, que l'on se réveille. J'écris pour rire et pour ne pas sombrer. J'écris parce qu'avec le temps, cela m'est devenu très familier. J'écris vite, en passant pressé. Même quand je n'écris pas, j'écris. J'écris sur l'amour et sur l'argent, sur la famille, les paysages. J'écris sur la révolution, sur l'art, la politique, la famine ou la guerre. J'écris sur la mafia, sur les trublions et souvent sur la chaussée.
J'écris aussi parfois sur l'alcool et la fumée des cigarettes. J'écris sur la ville endormie, sur la campagne et les oiseaux. J'écris sur la montagne et la mer. J'écris mon intériorité et sur tous les livres écrits par d'autres. J'écris le jour et la nuit, peut-être pour sauver ma peau. J'écris avec mon sang et mes os. J'écris sur les grands espaces de l'exotisme ou seulement pour passer le temps. J'écris sur la pornographie, la quéquette à l'air. J'écris debout. J'écris sur mes enfants qui me volent ce temps, pourtant à mes yeux pas si précieux. J'écris plus par lassitude que par mélancolie. Et parfois, je disparais 48 heures. C'est obligé, c'est absolu, c'est intime et c'est parfait. Se perdre parfois, c'est bon pour le moral. S'oublier soi, disparaître, c'est insolite, ça non ? J'écris pour faire plus humain et parce que je ne voudrais pas être une femme dans un roman de Louis Calaferte. J'écris pour m'amuser salement. Les malentendus sont très profonds, leur odeur me donne la nausée. Bientôt, j'irai me faire pendre ou prendre ailleurs. Qu'il fait bon devenir ce que l'on est. J'écris pour me souvenir de mes rencontres avec Claude Roy, René Depestre, Roger Grenier. J'écris pour me rappeler les 29 filles plus une aimées par moi avant toi. J'écris pour toi, de toi, sur toi. J'écris pour toi, de toi, sur toi. On n'est jamais trop pressé quand on aime. On trouve même que rien ne va assez vite. J'écris pour naître et pour mieux te connaître, pour connaître tout le meilleur de toi. J'écris pour dire la quête du nombril de soi, les crochets de septembre, ces bouquets d'utopie. Chaque homme naît deux fois dans une même vie et sa vraie naissance, c'est la seconde. Et sa vraie naissance, c'est la seconde. J'écris les jours naufragés sur ma jeunesse en miettes. J'écris le chant des pages par un petit matin de neige. J'écris sur l'affligeante banalité. J'écris sur le réalisme merveilleux. J'écris mes investigations morales, mon érotisme solaire, amoureux. J'écris pour tenir la distance ou la dragée haute à l'ennui. Toi, dorénavant, tu seras évidente, beaucoup moins sur la réserve, et tu seras ma douée. Moi, désormais, je serai cet écueil, ce barde, cet entamé, et je saurai te continuer, n'importe où. Maintenant j'écris et je crie ton nom partout, maintenant j'écris et je crie ton nom partout, j'écris surtout de toi, sur toi, pour toi, j'écris surtout de toi, sur toi, pour toi, j'écris. Enfin, pour vivre, pour ne pas mourir, ne jamais renoncer. Campagne et n'aimais pas les oiseaux, je soulevais des montagnes à l'aide de mon stylo. C'était hier, il y a longtemps, un fond d'avril sur un teint de Pâques, un chant du coq en début de jour, un triste soir, un vieil ennui. C'était hier, c'est aujourd'hui, ma montre s'est arrêtée, mon temps est suspendu. Fuyez, fuyez les anecdotes, éloignez-vous du texte, ne perdez plus votre langue, manifestez votre impatience, osez descendre dans les rues. Osez tirer des plans sur la comète, tirer un trait sur le désespoir, la béatitude, et tracer au feutre des lignes dans le ciel, sur l'horizon. Mettez un point d'honneur à mettre, un point final à la connerie, à la veulerie sur terre. Osez tout dire en une seule phrase.
en une seule ligne, en un seul mot. Osez tout dire en silence. Osez tout dire et son contraire. Plus rien ne va en ce haut monde. Osez cracher sur vos ennemis. Osez brûler les mauvaises herbes. Manifestez votre imprudence. Il fait bon vivre au coin du feu. Bon vivre aussi dans la tourmente. Fait bon manger son propre livre. Fait bon dormir à sa faim. Ce soir, la nuit monte, lasse et nue. Ce soir, la nuit monte, lasse et nue. La nuit est vieille, et c'est dommage. Il fait un temps déraisonnable, un temps de chien, de cinéma, de poésie, un temps tout court, un temps de pluie. Osez tout ce que vous voulez. Osez prétendre que vous n'y comprenez rien. Soyez poète ou philosophe, dentiste, politicien. Soyez curé, soyez père. Soyez chanteur, mécanicien. Soyez coiffeur, soyez heureux. Mais surtout, soyez bref, soyez humain. Cependant, ne vous laissez plus découper en morceaux. Réfléchissez avec votre sexe, faites l'amour avec la tête. Ce soir est un autre soir, plus vieux, moins amical, plus vieux, moins amical. Il n'y aura pas de lendemain. De lendemain. Quand 24 000 abattis, on dit ça peut être l'amour. Voilà le distance de 1000 abattis, 1000 carrettes et voilà l'amour. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah. Con 24.000 baci, così crediti quell'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate.